Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle découverte sur The Last Spell, un jeu en accès anticipé, en early access pour ne pas changer, car il y a du très très bon en ce moment dessus, et qui est édité par des Français également, donc encore une petite pépite indie française j'ai envie de dire. Ça a tendance à pleuvoir et c'est tout à fait mérité. Alors vous voyez l'écran d'accueil du jeu, vous vous dites, ça a l'air de ressembler à Zer Billions, et bien... pas tout à fait. On va tout de suite regarder un petit peu à quoi s'attendre. Donc The Last Spell, qu'est-ce que c'est? C'est plutôt un roguelite avec effectivement des composants de builder, mais vraiment basé sur le Die and Retry qui va vous permettre de débloquer des nouvelles choses et d'aller un petit peu plus loin à chaque fois. Il se joue au tour par tour, il est uniquement solo. Là c'est de l'early access, il vient juste d'entrer en early access. Mais je pense pas qu'il prévoit un multi, enfin je vois pas trop comment ça pourrait passer un multi dans ce jeu. Il est non compatible manette pour l'instant, ça pourrait éventuellement être compatible à terme, même si bon dans le gameplay vous verrez que ça apporte pas grand chose. Il est en français, entièrement en français de base, et ça c'est appréciable parce que souvent même les studios français ne prennent pas la peine de traduire le jeu pendant l'early access, donc c'est plutôt cool. Et il est au prix de 19,99€ et je pense qu'il les vaut déjà. Il y a déjà de quoi passer quelques heures et il n'y a qu'une seule map pour l'instant qui a une rejouabilité déjà assez dingue. Donc du coup, qu'est-ce que The Last Spell? Alors, j'ai lancé une petite partie pour éviter tout le blabla de début et ne pas trop vous spoiler. Donc c'est un jeu qui a déjà un prologue de disponible qui est un petit peu vieilli par rapport à la version d'Early Access, hein. ils ont sorti le prologue comme preuve de concept pardon il y a plusieurs mois et donc là ils sont finalement passés en Early Access, mais vous pouvez quand même normalement encore, peut-être pas encore pendant très longtemps, mais vous devriez avoir l'occasion de tester le prologue si vous voulez un peu vous faire la main dessus, voir à quoi ça ressemble. Donc comment se compose le jeu? Le concept, c'est que vous avez votre ville ici. Donc comme vous pouvez le voir, elle est un petit peu branlante, hein. Il y a des murs un peu pourris, des ruines à droite à gauche, mais quelques maisons quand même avec des lumières allumées qui résistent. Et au centre notamment, vous avez vos mages, donc pour l'instant j'en ai trois, qui essayent de réaliser le dernier sort, donc The Last Spell. Hein. Et votre objectif, ça va être de les protéger nuit après nuit jusqu'à ce qu'ils aient terminé. Si le cercle de rituel se fait détruire, vous perdez la partie. Pour tenir, comment vous allez pouvoir faire? Vous avez 3 héros de base. On va éventuellement pouvoir en recruter d'autres plus tard. Et on va également pouvoir construire des bâtiments, mais quand vous lancez la première phase de combat, enfin quand vous démarrez la jour 0, vous êtes directement en phase de déploiement et vous devez déployer vos héros pour protéger votre ville. Donc on voit qu'ici que la vague va arriver d'ici. Vous saurez en général de quel côté les vagues vont arriver. Il peut y avoir éventuellement des events ou peut-être à plus haut niveau où vous la voyez pas. J'ai pas encore été suffisamment loin. Par contre, il pourra arriver qu'il y ait des vagues sur plusieurs côtés, voire tous les côtés à la fois. Et là, il y aura du fun. Donc on va regarder un petit peu nos héros pour préparer la stratégie. Donc les héros sont... on regardera les interfaces après la première nuit pour avoir un peu plus les détails quand tout aura été débloqué. On va regarder pour l'instant nos héros. Donc vos héros sont composés de caractéristiques principales assez classiques, hein, de la vie, du mana, des points d'action, des points de mouvement. Vous avez des bonus de dégâts physiques, de dégâts magiques, de dégâts à distance, une chance de coup critique, une valeur de garde... pardon, qui est une réduction nette de dégâts, tout est indiqué avec des infobulles et tout, avec les calculs, c'est vraiment pas mal. Une valeur d'armure, qui va encaisser les dégâts avant vos points de vie, assez classique. Une valeur de résistance, qui réduit les dégâts physiques uniquement, une valeur d'esquive, qui joue sur vos chances d'esquiver des attaques. Vous allez avoir un équipement, donc pour l'instant on commence avec un équipement un peu pourri, hein, une épée rouillée, une tunique usée, un bouclier rouillé, un pantalon en fourrure qui vont donner différentes capacités. Toutes les compétences de vos héros vont dépendre de leur arme. Donc ici typiquement, l'épée rouillée nous donne le droit au coup tranchant, à la charge brutale. On a également une compétence de fuite qui est fournie par notre tunique usée, on voit en bas là, effet fuite.
Et on a enfin le coup de poing, ça tout le monde l'a, c'est nombre de fois illimité par tour, ça fait des dégâts relativement minimales, et vous pouvez taper au corps à corps avec. Donc vraiment si vous avez plus d'autre choix, vous pouvez toujours foutre un coup de poing, ça peut aider. Alors, il y a plein d'autres trucs, vous avez notamment tout un tas d'attributs secondaires qui vont monter selon vos niveaux, vous allez pouvoir spécialiser vos héros, etc. Vous avez des traits, donc ici on a un héros qui a plutôt deux traits négatifs, et on voit en rouge avec un trait positif. Bon, son trait négatif ici, on voit, hein, diminue son armure, diminue sa résistance, ça augmente un petit peu ses dégâts physiques, ses dégâts magiques, ses dégâts à distance. Là on est sur un héros équipé d'une épée, donc bah du coup c'est pas ouf, hein. Il diminue les dégâts en plus parce qu'il est incompétent, mais heureusement il a du sang démoniaque, ce qui booste ses attaques physiques, sa résistance et ses critiques. Donc il va falloir qu'on le spécialise probablement en critique, parce que ses dégâts de base risquent d'être un peu pourris. On a, alors vous commencez toujours avec, comme starter pour l'instant en tout cas, avec un guerrier, donc quelqu'un avec une arme de corps à corps, un archer on va dire qui commence avec une arme à distance, et un lanceur de sorts. Donc en général leurs traits collent un petit peu avec leurs armes de départ, mais pas forcément. Enfin, rien vous empêche de les enlever et de les remettre. On pourrait se dire là notre combattant finalement il a quand même des bonus de dégâts magiques, on pourrait lui filer une arme magique si on avait envie quoi. Non. On va pas le faire en l'occurrence parce que le lanceur de sorts qu'on a, enfin encore il a des vieux malus de mana, mais il a aussi des malus d'armure, donc du coup il va pas être forcément ouf. Et si on prend notre tireur, il a quoi? Plus un emplacement de sac, plus un mouvement, 10% d'esquive, moins de dégâts physiques, moins de résistance, donc ouais il va être assez bien pour du distance du coup. Moins un emplacement de bibelot et plus 20% de puissance critique, donc il va falloir qu'on le spécialise en critique si on peut. Il commence avec une arbalète à une main en bois, qui va donc lui donner tout un tas de compétences en bas. Et notre mage va commencer avec un bâton druidique du novice, hein, qui va également du coup lui donner des sorts. Donc on verra les compétences lors du premier combat, qu'on va commencer de ce pas. Hein, du coup, donc on est en phase de déploiement. En phase de déploiement, on peut mettre nos héros où on veut. On va donc mettre notre combattant au corps à corps par là. Toi, tu vas aller par ici pour mitiger un peu. Et toi, tu vas aller par exemple là. Voilà. C'est parti, la phase de déploiement est terminée, on lance la nuit, et donc la nuit, on a des hordes d'ennemis qui vont arriver, de plus en plus énervées, de plus en plus nombreuses bien sûr, et il va falloir qu'on les gère, en préférence sans qu'ils rentrent dans la ville. Donc comment ça se passe? On va regarder un peu en haut, vous voyez nuit 1, tour 1, on voit que c'est le tour des héros. On voit que la nuit ici avance, donc elle va avancer petit à petit de plus en plus jusqu'à la fin. Une fois que la nuit est terminée, ça s'arrête pas. Ça ne s'arrête que quand vous avez réussi à tuer tous les monstres. Ou alors que vous êtes mort. Donc si vous arrivez au bout de la nuit et qu'il reste des monstres, et ben, il va falloir que vous les finissiez, que vous couriez après dans les ruelles éventuellement, etc. Mais c'est pas le jour où se lève et pouf, tous les monstres sont en poussière. Donc ça peut être assez tendu, faut pas oublier ça. Il faut vraiment tuer tout le monde. En dessous, on a une jauge de panique qu'on voit ici, qui pour l'instant est à 0. En fait, alors on n'aura peut-être pas l'occasion de le voir sur la première nuit, on verra comment on les tue, mais à chaque fois qu'un monstre arrive à rentrer dans l'enceinte de la ville, il va générer de la panique. Vous allez voir un petit point d'exclamation violet au-dessus de sa tête. Si vous arrivez à le tuer avant son tour, il générera pas de panique. Si par contre vous êtes obligé de cliquer sur fin de tour et qu'il y a des ennemis qui sont rentrés dans la ville, ils vont générer de la panique, la jauge de panique va augmenter. Si jamais ils arrivent à taper sur des bâtiments, notamment des bâtiments, pas des ruines, ça c'est des ruines, on voit elles sont fumantes, mais notamment sur des bâtiments habités, là ça va directement activer leur valeur de panique, ça va monter en flèche et tout. Et plus la panique est élevée, moins vous avez de récompenses à la fin de la nuit, moins vous avez de bonus, et puis bah bien sûr, hein, plus vos bâtiments sont endommagés, il faut les réparer, etc. Donc c'est évidemment à éviter. Alors là, ils sont apparus assez loin, on voit avec leur jauge de mouvement qu'ils vont pas non plus avancer des masses. Donc on va s'occuper d'eux de préférence avec des armes à très longue distance. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on a. Donc vous pouvez voir ici nos héros, donc on a des points d'action qui vont se régénérer à chaque tour. Donc à chaque fois qu'on termine sur fin de tour, on les regagne tous. On va voir du mana qui ne se restaure pas à chaque tour. Et qui ne se restaure même pas à chaque jour.
Votre valeur de mana va se restaurer du petit plus 2 qui est ici, et éventuellement plus petit à petit quand vous allez monter de niveau et avoir des bonus. Mais c'est très très précieux. Les points de mouvement vont se régénérer également à chaque tour. Là on voit qu'on en a 9. La vie ne se régénère pas non plus à chaque tour ni à chaque jour, c'est comme le mana, il y a une petite, un petit chiffre ici de régénération de points de vie, et vous allez regagner ça à la fin de chaque nuit, bon, au début de chaque jour. Donc c'est pareil, faut faire un peu attention à ne pas trop vous faire défoncer, sinon vous allez vous faire avoir à l'usure. Hein. Ici on a une jauge d'armure, donc bah on a personne qui a de l'armure, si peut-être lui. Lui a une petite jauge d'armure, donc il a 10 d'armure. Donc comme je vous le disais, ça va encaisser les dégâts avant les points de vie, sauf certains ennemis qui ont des perce-armures. Et ça va se régénérer à chaque tour, donc ça peut permettre de fabriquer des tanks éventuellement. Et enfin, on a la valeur de garde, donnée par le bouclier qu'on a vu au début de Geralt, et qui va lui fournir une réduction de dégâts nets. On pourrait quand même essayer d'améliorer un peu, mais vous voyez ici on a 8 de mouvement. Si je vais jusqu'ici, je vais faire 6 de mouvement, je pourrais reculer que 2. Donc après je risque de me faire un petit peu défoncer. Par contre ce qu'on pourrait éventuellement faire, c'est aller se planquer là pour envoyer quelques tirs avec notre tireur. Alors vous voyez qu'on a plusieurs compétences. Elles vont toutes avoir un coup en point d'action. Donc ici un point d'action, un point d'action, un coup éventuel en mana. Et éventuellement, je crois qu'on en a... Non on en a pas pour l'instant, mais éventuellement il peut y avoir des coups en point de mouvement également. Donc vous voyez, hein, là, lui par exemple, ses compétences, de la deuxième coûte 1 de mana, celle-là coûte 1 de mana, celle-là coûte 2 de mana, donc on peut très vite consommer le mana, il se régénère que de 2 points par jour. Hein. Donc à chaque nuit, en gros, on peut considérer qu'on peut utiliser 2 points de mana. Si on utilise plus, eh ben on est en perte. Donc autant dire que ça peut aller très vite. D'autant plus que les compétences ne peuvent être lancées qu'un certain nombre de fois par nuit. Vous voyez en dessous, là, le petit 3 sur 3, 2 sur 2, etc. Ça veut dire qu'il ne peut lancer cette compétence que ce nombre de fois par nuit, pardon, par tour. Excusez-moi, je corrige, par tour. Donc il a 5 points d'action. Déjà, ça veut dire qu'il ne pourra utiliser que 3 actions comme ça. Donc forcément, si on veut utiliser tous ces points d'action, il va falloir qu'on utilise des actions qui consomment du mana. Donc ça pique un peu. Clairement, ça pique un peu. Alors heureusement, là, on sait déjà à peu près ce qu'on veut faire. En tout cas, moi. Notamment ici, on a des monstres qui ont une jauge d'armure. Hein. Les monstres peuvent tout à fait avoir de l'armure également. Et du coup, ils sont très difficiles à tuer. Par contre, grâce à cette compétence qui fait du poison, on peut réussir à leur mettre du poison qui va les tuer lentement. Ça va durer 3 tours et ça va leur enlever 32 vies. Et ça, par contre, ça passe l'armure. Et comme c'est une compétence qui se répand, elle a pu se répandre sur les ennemis derrière, ce qui n'est pas un mal. Lui, c'est pareil, il a un petit sort de poison. Il peut utiliser 2 fois par tour, donc on va se faire plaisir. On va empoisonner les mecs avec des armures. Et après, on va pas commencer tout de suite à utiliser du mana, on va se contenter de tirer avec notre petite arbalète. Donc l'arbalète de base, hein, l'attaque de base de l'arbalète est très faible, mais par contre, elle peut toucher 2 cibles, comme vous pouvez le voir. Donc ça peut être 2 fois la même cible, hein, si on veut. J'aurais pu mettre 2 coups sur la même. Lui, il va rester derrière pour l'instant, et normalement, là, on a a priori personne qui pourrait arriver. Alors on va quand même reculer avec lui, parce que des fois... Faut pas se faire surprendre, on voit derrière, là il y a des monstres qui apparaissent dans le brouillard, on les voit. Vous pouvez pas les toucher, s'ils sont dans le brouillard, les attaques, même de zone que vous faites, ne les toucheront pas. Mais il peut très bien y avoir un monstre planqué dans le brouillard qui va courir et arriver direct au mur, hein. Ça peut tout à fait arriver. Donc là on va passer le tour, le jeu va nous dire attention, il vous reste des points d'action, c'est pas grave, on passe. Voilà, pouf, ça se précipite un peu, ils vont commencer à attaquer les barricades qui traînent. Et là, on voit que ça devient un petit peu plus tricky. Alors, notre ami ici a une charge. Donc on pourrait faire un truc comme ça, venir là. On charge là. Bim. Et après, alors malheureusement, je peux pas aller dans ce sens-là, mais je peux recharger comme ça. Donc là j'ai déjà utilisé 2 points de mana, hein, parce que cette compétence coûte 1 point de mana. Et on va s'éloigner un petit peu en utilisant une charge, histoire de ne pas être complètement exposé aux monstres qui vont venir nous taper dessus. Avec lui, donc ces deux-là vont crever, on va mettre du poison là.
On a... Qu'est-ce qu'on a? On a un truc de perce-armure, ça ne veut pas nous servir. Par contre là on a une arme, une attaque, qui coûte 2 points de mana, il régénère combien lui? 3 points de mana par, par jour. Donc on peut se permettre... caler ça et ça, donc ça va... L'attaque va se répandre et faire des dégâts, hein. C'est marqué dessus, multi-coup x2, on a donc on doit choisir deux cibles. Et propagation pour 85% des dégâts sur 3 cibles. Vous voyez que ça a quand même pas trop mal fait le taf. Hein. On va pouvoir se permettre de tirer là, et tirer ici, et on l'a raté, pas de chance. Et oui car les monstres aussi hein, ont des compétences d'esquive et de résistance et différentes attaques. Donc le griffeur de base il met une écorchure, mais vous pouvez avoir des lanceurs de sorts, des spécialisés pour taper sur les murs, des perce-armures, enfin tout un tas de petites saloperies. Donc là on va utiliser notre mage pour aller sauver notre mec un petit peu trop exposé ici. Il va lui falloir deux attaques pour faire ça, donc on peut déjà plus faire qu'une seule attaque comme ça. Du coup on va aller répandre un petit peu de poison par là-bas. Voilà, et on va utiliser notre dernière action pour faire un petit peu de dégâts là, c'est limité mais c'est toujours ça de prix. C'est parti, un héros ne s'est pas déplacé, c'est normal. Ça y est, ça commence à venir en masse là. Alors... Donc son attaque à l'épée est pas mal dans le sens où elle prend la place de l'ennemi si jamais il arrive à le tuer. Alors on va être obligé d'utiliser du mana, ça m'emmerde un peu, puis on arrive loin en plus. Ouais, là on a un DPS un peu pourri avec notre guerrier parce que les monstres ne se placent pas idéalement bien. Du coup on va reculer. Sachant que les trucs de propagation, donc là vous avez vu par exemple le poison qui se répand, peuvent tout à fait se répandre sur vos potes, hein. Donc ça peut être extrêmement douloureux et éventuellement les tuer. Donc là on va mettre une petite lignée de poison, tant pis pour le mana, c'est pour la démo. On va commencer à faire un petit peu de dégâts, voilà, comme ça on pourra les finir au prochain tour. Pour l'instant ils vont pas encore très très loin eux. Là par contre il va falloir en mettre du poison sur lui, du poison sur lui. Et on va claquer du mana, hein. Hop, bim. Alors vous maîtrisez pas du tout la propagation, hein. Ça peut arriver sur tout le monde ou personne, on sait pas. Il y en a un qui essaie de s'enfuir là. Alors, quand je sélectionne l'attaque, vous voyez peut-être qu'il y a deux zones. Les attaques à distance en fait augmentent, enfin sont imprécis, du coup ça augmente l'esquive. Donc vous voyez qu'ici, d'ailleurs on voit pas. Mais si je prends cette attaque, là par exemple son esquive est augmentée de 1,75, donc s'il a 0, bah ça fait 0. Mais s'il a de l'esquive, en l'occurrence il a 5%, c'est multiplié par 1,75. Donc c'est dans les zones en fait, ici c'est multiplié par rien visiblement. Là c'est multiplié par 1,75, éventuellement plus lent ça pourrait être 2, ça dépend des compétences. Nous on va essayer de finir lui, et commencer à taper sur celui-là. Voilà, on n'a plus de compétences, on va donc devoir reculer un peu. Parce qu'ils vont un peu plus loin eux. Vous pouvez aussi utiliser des points de mouvement pour sauter par-dessus les murs, ce que les monstres ne peuvent bien sûr pas faire. Et lui, on va lui mettre une petite fuite. Donc là vous voyez qu'on est arrivé au bout de la nuit, il nous dit il vous reste 39 monstres à tuer. Démerdez-vous. En gros. Alors on s'est fait taper, ok. Alors là ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire ça, ensuite bim... Ensuite on va aller là, puis là, et on a claqué toutes nos actions. Donc ça peut aider à déplacer, hein. Ça reste quand même assez compliqué à utiliser, l'épée c'est pas forcément l'arme la plus simple pour commencer. Là on va commencer à laminer un peu cela, voilà. C'est aussi pour ça que je les tue pas, hein. C'est parce que derrière lui avec son épée, pourra les finir au tour d'après, éventuellement. Et ça aidera. Niveau mouvement on n'est pas trop mal. Le mec avec une armure est empoisonné, c'est pas mal. Eux vont crever de l'empoisonnement. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire avec lui? On
pourrait mettre du poison, ça nous coûte rien et ça va nous permettre de finir ceux qui sont loin, parce que cette compétence là, vu qu'elle fait pas de dégâts, c'est pas vraiment un tir, n'a pas d'esquive, enfin n'augmente pas l'esquive en tout cas. On va essayer de finir ces deux là. Voilà, et après on va se focus. Putain, il va pas crever ce con. On va devoir mettre des tatanes. Alors l'avantage des compétences d'arbalète aussi, notamment du poison, c'est qu'elle diminue les mouvements de l'ennemi. Ce qui est pas plus mal. On n'a pas tué beaucoup ce tour-là, hein. faut dire ce qui est. Il va falloir qu'on soit un chouïa plus efficace. Alors pour ça, on va aller là et on va utiliser un coup de mana. Voilà, ensuite on va buter celui-là. Buter celui-là, ici, bim. Et on a déjà cramé toutes nos actions, ça va vite. Sachant que les dégâts physiques font 200% de dégâts aux armures, donc les épées et autres trucs du genre sont particulièrement indiqués pour taper sur les mecs en armure. Alors on va être capable d'utiliser 3 attaques pour faire le taf. Il va falloir qu'on réutilise du mana derrière. Alors il a une compétence de ligotage qui est pas mal pour faire de la gestion de foule, lui ça diminue de 3 le mouvement des ennemis. Ça pourrait peut-être être intéressant plutôt. On va quand même utiliser un point de mana pour aller empoisonner là. Voilà. En plus ça fait du dégât brut le poison, c'est quand même pas si mal. Toi tu vas crever du poison. On va te mettre du poison sur toi également. Et on va utiliser les points d'action qui nous restent. Quoique ils vont crever, ces deux-là ils sont pas aux pièces. Faut faire gaffe parce que. Eux sont pas immobilisés par le poison, ils sont juste empoisonnés. On va commencer à... Non, lui on... ça sert à rien, on va lui faire vraiment trop peu de dégâts. En fait si on passe pas son armure, vu qu'elle est régénérée à chaque tour, ça sert pas à grand chose quoi. Et le perse armure consomme du mana, sachant qu'il lui... il en régénère 3 par tour, c'est pas utile. On va se recentrer un petit peu, et toi tu vas reculer. Voilà. Donc là, lui est un peu exposé, on va le reculer. Il nous reste un point d'action pour qui? Ah, pour toi. Bah tant qu'à faire... Écoute, diminue un peu les points de vie de ceux-là, histoire qu'ils crèvent du poison. Voilà, bim. Attends, il y en a un dernier qui arrive là, qui était carrément pas encore sorti du... On va aller avancer un petit peu et lui mettre du poison, voilà. Ensuite, toi, tu vas mourir. Toi aussi. Bim, bim. On va aller s'occuper de lui. Donc sa compétence d'épée est assez intéressante parce qu'en fait, elle fait plus de dégâts quand on s'est déplacé avant. Ce qui est pas forcément trivial, hein, mais... qui est assez intéressant à jouer, je trouve. On va les finir, ça fera de l'XP. Ah, hors de portée. Hop. Et eux sont tous immobilisés, donc ils vont crever du poison. Quoique, quand même. Voilà. On a suffisamment de puissance pour réussir à traverser leur armure. Allez, toi tu vas aller là. Bim. Et tu vas aller là. Et bim. Et c'est la fin de la nuit. Donc à la fin de chaque nuit, vous allez voir un petit résumé de ce que vous avez fait, l'XP que vous gagnez, car vos héros vont monter de niveau. On voit qu'on a perdu, qu'on a 3 survivants, qu'on a perdu 12 PV, on s'est quand même pris un petit peu de tatane sur lui, il a pas d'armure. On va continuer, et donc ensuite on a, comme je vous le disais, les récompenses de la nuit qui vont arriver, qui vont dépendre du niveau de panique. Donc vous voyez les jauges ici, hein. Plus vous, plus la panique est basse, plus votre truc la descend, passe des jauges, et vous donne des récompenses intéressantes. Si jamais la panique était ici par exemple, bah on aurait eu ce bonus là et ça se serait arrêté là. D'autres choses que vous gagnez la nuit, c'est de l'essence, car comme je vous le disais c'est un roguelite. Et vous allez pouvoir débloquer des bonus pour les prochaines fois. Vous avez deux manières de débloquer des bonus. Le premier c'est de récolter de l'essence, donc chaque nuit vous récoltez de l'essence brute en butant des monstres. Voilà, 624 parce que j'ai tué des monstres. Et après vous pouvez avoir des bonus selon des actions que vous avez faites. Ici par exemple on voit que j'ai infligé poison à 25 ennemis, ça me donne 75 bonus.
J'ai infligé des statuts, étourdissement, poison et altération à 35 ennemis, ça me donne des bonus, etc. J'en ai eu 849 pour cette nuit. On va donc passer, et on va arriver à la suite. Donc, chaque début de journée, la jauge du sort avance, vous voyez qu'il va falloir, s'accrocher. Hein. Et on arrive dans la phase dite de production. Donc vous voyez que ça change un petit peu de ce qu'on avait quand on a démarré la partie. Hein. La démarrage de partie, on avait juste l'ordre qui approchait et... La horde qui approchait, pardon, et nos héros à déployer. Maintenant, on peut passer des niveaux, on peut récupérer les récompenses de la nuit, on a de quoi construire des bâtiments, acheter des nouvelles pièces d'équipement, construire des défenses, on a des ouvriers disponibles, enfin, il y a plein de trucs. On va commencer par prendre notre récompense de la nuit, qui est un objet. Ouh, on a des beaux objets. Donc, il y a des niveaux de rareté, hein, bien sûr, hein, pour les objets, il y a des niveaux de rareté et des améliorations. Donc, la couleur, c'est le niveau de rareté, le plus sain... plus 2, plus machin, c'est l'amélioration. Donc le niveau de rareté va donner une compétence, enfin un effet supplémentaire gratuit. Donc ici vous voyez que c'est vert, c'est le premier niveau de rareté, si je ouais c'est ça, c'est le premier niveau de rareté. On a une compétence aléatoire qui est plus 3% de dégâts. Ici on est sur de l'épique, donc là vous voyez qu'on a 4 compétences de plus, 20% d'inertie, 15% d'opportunisme, 10% d'XP et encore 10% d'XP. Ça peut être des trucs tout pourris, hein. Ça peut être des trucs vraiment qui vous apportent rien, qui n'ont aucun rapport avec l'objet, enfin c'est complètement aléatoire. On va pas trop réfléchir pour l'instant, on va prendre l'objet épique, histoire d'avancer un petit peu. Donc au niveau des possibilités qu'offre le jeu, vous allez avoir, comme je vous le disais, l'oraculum, donc qui est un endroit où vous allez pouvoir dépenser vos essences. Alors des fois ils vont vous faire des petits dialogues pour faire avancer l'histoire qui avance à chaque fois. Ils ont tout à fait conscience que vous mourrez, que vous revenez hein, vous allez voir elle à l'oraculum et l'autre à je ne sais plus comment il s'appelle et du coup ils vous discutent avec vous, ils vous posent des questions, enfin vous avez un échange même à chaque nouvelle partie quoi. Et donc vous voyez on va pouvoir dépenser des points pour débloquer des choses, donc ici pour 1000 points pour avoir plus d'arc court, donc ça fera que on aura moyen d'avoir ces objets là. Alors ça nous les donne pas directement, ça va nous permettre de les avoir lors des prochaines parties ou éventuellement quand on fera certains bâtiments spéciaux. Donc ça là comme ça on se dit c'est hyper puissant, mais en fait non, il y a quand même un niveau de difficulté qui est quand même vraiment pas négligeable. Hein. Donc il y a tout un tas de trucs, vous allez pouvoir débloquer des armes spécialisées, ici des arcs courts, alors des armures. Là vous voyez que c'est clairement écrit, on débloque des équipements supplémentaires pour la génération des héros, donc à notre prochaine partie, on aura plus d'armure au départ. Vous voyez que j'ai commencé à débloquer ça, donc on va mettre nos points dedans, il me manque 98. Et il y en a un paquet, franchement un paquet, vous voyez qu'il y a largement de quoi jouer. Et c'est là-dessus que va se jouer la partie roguelite du jeu. Parce que sur ces deux choses là, vous allez pouvoir débloquer des nouveaux bonus pour la suite. Par exemple, pour les débloquer, il va falloir faire des hauts faits. Donc ici, atteindre 12 en mouvement avec un héros par exemple. Ou alors fabriquer 10 objets avec le bâtiment boutique de magie, ou fabriquer 10 objets avec le bâtiment archerie, etc. etc. Atteindre le niveau 7, abattre 9 ennemis en un seul coup. Tout ce genre de choses. Et donc du coup, il y en a certains qui vont être réinitialisés à chaque partie, par exemple celui-là. Ça repart de zéro à chaque nouvelle partie. Il faut réussir à le faire vraiment une partie. Il y en a d'autres où c'est indiqué, c'est sur plusieurs parties. Et donc du coup ça va vous donner des bonus, débloquer des nouveaux bâtiments. Et ça va beaucoup aider. Typiquement, si on prend par exemple les nouveaux bâtiments, au début vous allez en avoir genre 3. Moi j'en ai déjà débloqué un certain nombre de plus. Qui vont faire plein de choses, hein, qui vont permettre d'avoir plus d'or, qui vont vous permettre de vous soigner, de régénérer du mana. De fabriquer des armures, des armes, des objets de distance, des objets magiques, de recruter des nouveaux héros, d'agir sur le brouillard en reculant le brouillard ou en détectant où sera la plus grosse vague, etc. pour mieux vous préparer. Donc il y a vraiment tout un tas d'objets, de bâtiments comme ça que vous allez pouvoir construire et sur lesquels vous allez pouvoir agir avec vos ouvriers. Vos ouvriers vous pouvez les utiliser pendant la phase de production. Ici on en a 4. Vous pouvez en avoir plus si vous construisez des maisons. Une maison c'est 2 ouvriers. Vous avez 2 maisons de base. Vous pouvez également améliorer vos maisons pour avoir un ouvrier supplémentaire. La plupart des bâtiments sont améliorables. De base vous commencez avec 2 maisons et le magasin. Le magasin vous pouvez l'améliorer pour avoir des objets de meilleur niveau. Bien sûr tout ça coûte de l'or. Hein. Et l'idée ça va être que vous allez pouvoir détruire les ruines. Vous voyez pour 3 ouvriers je vais pouvoir détruire cette ruine là. Et avoir un petit peu plus d'or et un petit peu plus de construction, la rune est détruite.
Elle ne vous protège plus, hein. Si des monstres passent, du coup, ils vont passer sans aucune comment, sans que rien ne les arrête. Mais ça vous donne des ressources. Donc tout l'équilibre va être de trouver entre ce que vous voulez faire de vos ouvriers, où est-ce que vous voulez les mettre, pourquoi faire, ce que vous dépensez vos ressources pendant la journée. Vous pouvez globalement construire des défenses, acheter de nouveaux bâtiments qui sont pas forcément défensifs mais qui vous permettent de tenir sur le long terme, typiquement de la mine d'or, du camp de pierre qui va vous générer des matériaux, etc. Vous pouvez également aller acheter des pièces d'équipement chez le marchand, vendre éventuellement certains de vos équipements également, pour améliorer vos héros, les rendre plus costauds, leur donner plus de versabilité. Par exemple ici on pourrait très bien acheter une lance par exemple pour notre mec de corps à corps, ou un pistolet, ou un arc court pour notre tireur. Des meilleures armures. Il y a également des objets de consommables, hein, des potions de mana, des potions de vie, des parchemins que vous allez pouvoir utiliser, tout un tas de choses différentes. Il y a vraiment beaucoup de choses déjà dans le jeu. Voilà, hein, vous pouvez construire des défenses, faire des murs en bois, là pareil il va falloir choisir, vous pouvez faire des murs plus costauds mais qui coûtent plus cher, ou des murs en bois que vous allez reconstruire à chaque fois, qui vont se faire défoncer mais que vous allez construire à chaque fois. Il faut penser à placer des portes dans vos murs, parce que si vous pouvez pas sortir pour taper sur les ennemis, vous avez l'air con. On va pouvoir débloquer des balistes, des catapultes, peut-être même après encore des trucs plus costauds, je ne sais, je suis très loin d'avoir fait le tour en rien que de l'early access. Moi j'ai réussi à aller jusqu'au jour 6 dans la douleur, enfin disons la nuit 7 quoi, dans la douleur, et je crois qu'il en faut 12 ou 15 là pour remplir la petite jauge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ouais 12. Il faut tenir au moins jusqu'au 13e matin quoi, pour réussir à faire ça, pour réussir la partie, et sauver Bourdulac, là c'est Bourdulac. Pour l'instant, il n'y a que cette map-là, comme je vous le disais au début, mais c'est prévu, hein, quand on voit la map de départ, quand on choisit Bourdulac, c'est une map immense, avec Bourdulac en tout petit dans un coin. Donc on peut s'attendre à beaucoup d'autres maps au fur et à mesure qui vont réaliser de nouvelles choses. Et déjà celle-là, même si au bout d'un moment, on commence à connaître les bâtiments, voir un peu les trucs, on débloque de nouvelles choses, et par exemple au début, votre ville est à poil. Ensuite vous allez pouvoir débloquer des murs en ruine là qui vont plus ou moins ralentir le passage, mais vous pouvez pas les réparer, vous pourrez rien en faire. Après là vous allez pouvoir débloquer des murs en bois, donc votre ville commence avec des murs en bois que vous allez pouvoir améliorer ou éventuellement réparer s'ils ne seront pas détruits. Et après j'imagine qu'on va pouvoir débloquer des balistes de base ou des catapultes de base ou peut-être d'autres bâtiments de base qui viennent dans le village, et du coup vous aurez moins à dépenser pour ça et donc de quoi tenir un petit peu plus longtemps, parce que vous pourrez vous focus sur d'autres choses. Donc il y a quand même beaucoup de choses. Vous pouvez avoir jusqu'à 4 héros de base, et je pense qu'après on peut aller encore plus loin. Bien sûr ils peuvent mourir, vous pouvez éventuellement les remplacer, enfin il y a tout un tas de choses là-dessus. Et ils vont monter de niveau, on va terminer la découverte dessus. Donc chaque montée de niveau, vous avez le choix entre tous ces attributs primaires là, donc vous devez choisir un attribut primaire. Donc ça lance un dé, hein, typiquement, et vous allez avoir des choses aléatoires de base, donc commun. Vous pouvez avoir du peu commun, mais qui peut être totalement inutile. Ici par exemple, lui c'est un combattant corps à corps, le peu commun lui sert strictement à que dalle. Éventuellement des rares. Et vous pouvez choisir de relancer si vous n'êtes pas content. Ici par exemple on peut dire j'aimerais bien avoir un peu commun qui soit utile. Donc vous relancez, vous pouvez en choisir plus que 3, si vous relancez vous pouvez en choisir plus que 1, et vous êtes obligé de le prendre. Ici on a un truc pas mal, on a réussi à avoir plus d'armure, donc on passerait à 25 d'armure, on va le prendre. Une fois que c'est fait, vous pouvez choisir un attribut secondaire. Donc ici on a une bonne régène de vie qui est tombée. Passer de 9 à 29 de régène de vie c'est plutôt propre, surtout pour le tank, donc on va prendre ça. Et enfin, vous pouvez choisir un talent par niveau. Donc comme vous le voyez, hein, y a un nombre de talents assez important. Vous pouvez tout à fait, au fur et à mesure de vos niveaux, prendre que les talents de niveau 1. Il n'y a absolument aucun problème pour ça. Vous pouvez aussi prendre un dans chacun que vous allez débloquer, etc. Ici par exemple, on va prendre... donc on peut regarder un peu les différents types, hein, la fatalité qui permet d'exécuter, donc ça veut dire que c'est gratuit, hein, ça compte pas comme une action, n'importe quel ennemi avec 15 de vie au corps à corps, donc c'est assez pratique si jamais il y a des ennemis qui sont quasiment sur le point de mourir, vous pouvez les tuer gratuitement, faut quand même être collé à eux. Gagner plus d'XP, avoir un bonus d'armure de 125% de sa régène de vie, donc on aurait 125% de 29 en bonus d'armure, c'est pas mal pour un tank.
plus de chances de faire des critiques, améliorer la compétence coup de poing aussi. Donc par exemple si vous voulez taper avec votre coup de poing, pourquoi pas, hein, y a peut-être des builds ou des combos intéressants là-dessus, j'en ai pas vu pour l'instant. Plus dégâts de poison, des chances de générer du mouvement, vous pouvez avoir visée stable qui fait que quand vous n'êtes pas déplacé, vous gagnez en précision et en portée. Jet de potion qui vous permet de jeter des potions sur les alliés pour les rendre plus utiles. Et il y a comme ça tout un tas de compétences, bien sûr de plus en plus puissantes, mais celles de base sont quand même bien utiles. On va prendre fatalité par exemple sur notre tank. Et on va faire le niveau de tous nos petits bonhommes. Donc ici on n'a rien eu carrément de commun. Et en plus toutes ces compétences sont clairement pas dingues pour un tireur. Bah on va prendre dégâts à distance, hein, voilà. Histoire d'améliorer un peu. Et là c'est pareil, on n'a rien eu d'intéressant, mais il a 20 puissants de puissance de coup critique. On n'a malheureusement pas d'augmentation de la chance de critique. Du coup, on va peut-être augmenter la précision. Parce que vu que les attaques à distance sont imprécises, ça fera pas de mal. Et du coup, lui par contre, justement, on va lui donner visée stable. Si on arrive à pas le déplacer, il aura 10% de précision et donc bah, ça sera ça de moins de perdu avec ses armes à distance. Et notre mage, dégâts physiques ça sert à rien, dégâts magiques c'est bien par contre. Plus de dégâts magiques, c'est parti. Un peu plus de régène de mana, ça serait pas mal. Vous voyez qu'on est déjà plus qu'à 11 sur 14 de mana, hein. Ça peut très très vite être drainé de nuit en nuit. Régène de vie, alors lui dans l'idéal il va pas trop se faire taper dessus, donc même si c'est pas dingue, on va prendre la régène de mana. Et au niveau des compétences, on va augmenter ses dégâts de poison, puisqu'avec son poison de zone, ça va être sacrément costaud. Et donc vous voyez, comme ça, on va pouvoir également équiper notre botte d'ailleurs, hein, puisqu'on l'a prise tant qu'à faire. On va l'équiper, 15% de dégâts de propagation, l'inertie, ça va être pas mal pour lui, donc on va lui mettre à lui, même s'il a pas beaucoup de propagation, il va avoir des petites bottes, donc ça se voit un petit peu sur le truc, bon c'est pas dingue, ça se voit plus quand on change les choses principales, ça c'est des bibelots ils appellent ça. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble The Last Spell. On va s'arrêter là pour cette découverte, on a vu les gros concepts, donc si jamais vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous ruer sur le prologue, le jeu est vraiment très bon. Et si jamais le prologue vous a plu, et ben le jeu est en promo actuellement, va le rester probablement un petit moment pendant l'Early Access, et après ouais, il sera probablement en promo à la sortie, mais on ne sait pas encore quand est-ce qu'il va sortir. Et franchement, il est déjà vraiment très bon. De mon côté, je précise quand même, je pense pas faire de run régulier parce que j'ai découvert ce jeu grâce à la chaîne de Xebus qui aime beaucoup aussi les roguelites ou les jeux très compliqués du type Dwarf Fortress, Zer Billions. Et il fait très régulièrement des lives dessus que je prends beaucoup de plaisir à regarder, donc je vous inviterai à aller jeter un œil à ces vidéos sur The Last Spell et éventuellement à choper en live si vous y arrivez. C'est vraiment très cool de le regarder jouer. Je mettrai un lien dans la description de la chaîne bien sûr pour que vous puissiez y aller directement. J'espère en tout cas que cette découverte vous a plu et je vous dis à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.